La semaine de haut niveau du 19 au 26 septembre 2023 a donné le coup d'envoi de la 78e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Débute maintenant le temps des négociations au sein de ces différentes commissions. La ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Catherine Colonna, a conduit la délégation française pour cette semaine d'ouverture. Désormais, c'est au tour des négociateurs français de défendre la vision et les intérêts de la France dans les travaux des différentes commissions pour les mois à venir. En raison du nombre important de questions qu'elle doit traiter, l'Assemblée générale des Nations unies a réparti les points inscrits à son ordre du jour entre six grandes commissions. La première commission, pour les questions de désarmement et de sécurité internationale. La deuxième commission, pour les questions économiques et financières. La troisième, pour ce qui relève des questions sociales, humanitaires et culturelles. La quatrième, pour tous les autres sujets qui ne relèvent pas des autres commissions. La cinquième se concentre sur les questions administratives et budgétaires. Et enfin, la sixième s'occupe des questions juridiques. Une fois que les négociations auront abouti, les résolutions adoptées en commission seront ensuite adoptées en séance plénière par l'Assemblée générale. La mission française se réjouit de retrouver ses partenaires dans ces différentes enceintes de travail et de promouvoir avec eux un multilatéralisme fort et efficace.